Ça qui passe, c'est Karel qui a salué et qui a dit bienvenue dans une émission pour célébrer 10 ans de DSL Stars. Eh bien oui, DSL Stars gagne 10 ans. Pas jamais font idée, genre que compétition ça a été envahi tout le pays à 9 années qui sont passées. 10 ans depuis que nous sommes numéro 1 et plus gros show télévisé de recherche de talent qui fait sur tout le pays. Pendant 9 années qui sont passées, DSL Stars pratiquement couvrir tout département yo dans les ports de paix, dans les au cap, dans les Gonaïves, dans les Saint-Marc, dans les Lagonaves, nous Port-au-Prince, nous Pétionville, nous rivé au Caï, nous Jérémy, nous Jacmel et nous t'ai découvert en pile talent sur tout pays a été bail plus que 12 millions good prime à de jeunes talents qui t'ai besoin lancer carrière yo. Et bien année ça nous décidé faire une compétition qui est différente que ne pas même reler DSL Stars puisque son compétition qui peut permettre que nous rewer sous scène en pile dans artistes qui t'ai fait que nous content dans 9 années qui sont passées. Nous reler compétition ça Star des Stars et à ce justement moi pral introduire nous quelques artistes qui pral goumé si vous voulez utiliser moi pour montrer que c'est eux-mêmes qui c'est star des stars Anessa. On a commencé avec Ismaël. Ismaël c'était champion d'ISL Stars en 2010. Monsieur Tevin gagne compétition dans un contexte très difficile puisque c'était quelques mois après tremblement de terre là, il y a plein de monde qui a besoin qu'on ait est-ce que compétition a fait ou pas. Ismaël sorti de Tigouave et monsieur tenon compétition acharnée avec des artistes comme Cassité, tant que Woody Woodboy, tant que Vanessa Désiré et monsieur te gagné compétition en haut la main. On faut parler avec Ismaël pour nous connaître qui ça que il a réglé, comment lui ouais lui-même qui va participer dans concours et qui ça que le fait depuis dernière fois que nous te sur scène dans DSL Stars. Et non pas monsieur Ismaël Marseille, moi j'étais champion en 2010 dans DSL Stars. Eh bien, de 2010 à Konya, je pense que j'ai un paquet de travail qui fait, un paquet d'expérience qui fait. Je pense que j'étais assez jeune. L'MD champion du DSL Stars en 2010, j'en avais que 17 ans. Actuellement, là, moi, avec un jazz qui est tranquille, je travaille dans la multiplication CD à Konya. Donc, c'est ça, en gros, qui est. Mais pendant, je dis pendant 6 ans, ça a un paquet d'expérience qui fait. Star des Stars, je pense que c'est un bail que j'attends très très longtemps. Je me rappelle depuis 2010. Depuis 2010, on a parlé de ça. On a parlé de Joe, il a dit, c'est ça, est-ce que tu es gagné, à fond, tu es gagné. Je suis capable de dire que c'est un bail que j'attends des années. C'est un bail que j'attends des années. Donc, c'est. Je suis très motivé. C'est sûr que j'en dis, elle n'est pas facile à cause de l'activité tranquille, de répertoire tranquille, m'a préparé. Mais je suis capable de dire que je suis remis travail en pile, en pile. Musique, c'est passion. Donc, je ne pas mal que si je ne pas sortir, je ne pas encombrer, je ne pas faire, je ne pas mal que je fais toute journée, je couche, je travaille, je tente, je prépare un répertoire. C'est sûr que bien avant que je apprenne que Star de Star a fait année ça, et je suis un répertoire que je prépare pour lui, musique pas mélanger avec des interprétation parce que bon, c'est un concours quand même. C'est Tigouave qui est toujours en valeur parce que moi, je suis petit Tigouave. Moi, c'est petit Tigouave, donc moi, c'est nègre Tigouave. Bon, c'est Tigouave toujours en valeur. Mais là, je dis que c'est Tigouave, mais les autres Tigouave, c'est Tigouave. C'est un problème là, c'est tout le pays qui est concerné. C'est des artistes qui brûlent la fonte l'autre des stars. C'est peut-être ça le pot, non, Star des stars. C'est des artistes qui brûlent la fonte l'autre. Donc, c'est tout le pays qui est concerné. Pas question que je sois Jacques Mel, je sois Tigouave. C'est question de moi, mais tel était bien performé, donc je vote l'autre. Wow, Ismaël super excité. Ismaël t'es non compétition série, j'aime te dire là avec Woody Woodboy et puis Vanessa Désiré. Donc sans perdre du temps, on a le fait parler avec Vanessa Désiré qui lui-même connaît un tonon gros coquin artiste qui gagne pile monde qui a suivi lui. D'ailleurs qui gon hit qui est ça plus que love que le fait avec Toby qui a marché semaine ça. On regarde Vanessa. De 2010 à 2016 et ou quand même timidement dans mode musical là parce que m'a pas trop focus forme des règles de bagaille personnel, bagaille et professionnel à faire l'école moi etc. Mais un peu le monde qui a constaté que dans commencement année 2016 là moi j'ai décidé de retourner et dans musique avec deux duos que presque tout le monde connaît dans le pays et dab ensemble avec Michester. C'est un sujet que nous jeunes ensemble pendant nous tape hang out by ça et puis nous jeunes nous faisons collaboration avec elle. Mais ça plus que love c'est musique Toby. Il était invité sous lui, donc c'est projet pâle. Moi j'ai un album que je suppose travailler sous lui, mais c'est pour musique pam qui bral musique qui bral annoncer là pour vraiment venir. Mais toute bagarre ça va venir, on travaille sur eux dans studio actuellement.
c'est toujours même Vanessa Sabat qui a une femme pour nous. Et c'est une jeune fille qui est née du 16-16, qui n'a pas de maturité, mais qui a son dame que nous voulons jeune, mais qui toujours même style Vanessa que nous avons aimé. Nous avons toujours joué en rappelant l'œil modèle, nous avons toujours joué et chanté à l'œil modèle. Donc c'est toujours même bagaille là, mais qui a amélioré. Je connais que je suis un peu fanatique et c'est gagné parce que depuis 2010, je suis toujours avec, je suis toujours avec Krim, je dis depuis 17-16 mois, je suis pas jamais là, il faut toujours continuer. Donc je suis sûr que je suis content de l'initiative qui prend pour supporter pour moi arriver loin dans l'initiative qui a fait là. Mais je connais que c'est même respect, je suis vote nous tous, je suis support nous tous. Et puis, rete branché, pas négliger voter. Nous partons pour deux, Ismaël, Vanessa Guétin. Décidé pour participer dans Star de Star et ça a un pilote artiste qui peut participer encore. Vous pouvez réaliser que tout artiste qui participe dans Digital Stars a quand même une carrière quelconque. Soit vous chantez dans un groupe, soit vous sortez en musique, là, ou bien vous avez un bagage qui a bouilli, qui a cuit pour la carrière. Yo. Et l'artiste que nous avons regardé là, c'est Hilary. Hilary lui-même a participé dans Digital Stars et il a fait belle impression. Et après Digital Stars, il a décidé de continuer la carrière et qu'on y a, il a chanté dans un groupe. Côté que lui c'est lead vocal. On garde Hilary qui décide à parler avec nous. Bonsoir tout le monde. Je vous rappelle que moi c'est Hilary Philippe qui a participé dans Digital Stars pour l'année 2011, qui est sorti 5e. Et de l'année 2011 à 2017 à 2016, Hilary règle pile bagaille dans ville parce que il était intégré dans jazz en 2013 qui c'est drôle de dame. Puis après en 2014, il était intégré aussi. Il était intégré aussi dans jazz écho. Et après écho, j'ai décidé pour moi continuer solo. Projet que moi j'ai en cours, moi j'ai deux musiques qui t'a supposé sortir depuis pour été, mais pour toute difficulté qui t'est passée, donc moi pas capable de sortir. Donc moi j'ai une seule musique là que moi j'ai travaillé là qui c'est moi et mes amis ménageois qui est en fini. Et j'ai une encore qui c'est l'amour que m'a sorti vidéo là que moi en tournage même. Jesus Stars t'est aidé ma pile. Il t'a aidé moi pour faire plus monde connaît. Il fait plus pour nous connaître, qui te fait marcher en pile contre tout pendant que je suis sorti dans 17 stars. Et je songe après la finale 17 stars, nous avons honoré un contrat en décembre qui était Wanamet. C'était le plus gros contrat dans la vie, le premier contrat et le plus gros contrat dans la vie. La bataille, ce n'est que le commencement. C'est même la lutte. Nous allons aller voter en pile pour moi qui a nommé Star, en fait, Giselle Stars of Stars, Anissa. Et je vais tout profiter de ça. Il y a quelques personnes que moi j'ai été contacté qui te dit bon, voilà, il a eu la marche avant, puisque son talent qui est confirmé. Je vais saluer Diva en Action, qui sont studio de beauté. D'ailleurs, c'est eux-mêmes qui mettent mon ça, je dis, hein, Fafa François. Et moi, je crois que Barbara Collab, qui bral bien dit, qui se designe même. Et moi, j'ai tout l'autre ami, Team Solide, TFH qui bral avec, tout le monde net, tout le pays qui connaît que nous bral avec, dans toute prestation que nous bral bail pour m'arriver loin dans le combo. Il y a un pilote artiste qui peut participer encore. Donc, restez branché pour capable de découvrir qui est sur et bien sûr, bon, plus d'excitation pour ne pas qu'attendre leur compétition live à commencer. C'est tout de suite après pause. Donc, vous avez été branché pour découvrir plus d'artistes qui peuvent participer dans Star des Stars à Nessa. Allô, mami? Allô, Titine? Vous êtes dans la marché, hein? Oui, je suis presque fini, oui. Je suis fini tout à l'heure comme ça. Pourquoi tu n'as pas fait un petit live pour moi, un petit citron? Mami, je ne sais pas comment bien assez comme non. Faut que je tourne la caille pour que je prenne un petit cob après ça m'a tourné bien acheter le goût, mami. Non, pas inquiète, chérie. Je vais te camper. Quand tu es là, je vais te voir sur le téléphone. Ou lié à mon cash, ou qu'à voyer et puis recevoir l'argent sans qu'elle saute. Ou à un nid faire un compte mon cash sur le téléphone Digicel ou et puis même côté à téléphone dans vin boussou. Et puis si vous voulez tout, ou ka passe kayon agent autorisé mon cash pour retirer l'argent sous compte ou ak yon carte d'identité. Bay numéro téléphone ou ak quantité l'argent ou vle rale sous compte mon cash ou. Anik fait étoile 202 dièse ou soit rele nan 202 sous Digicel pour ka voye l'argent bay moun ou vle, lè ou vle n'importe côté, pi facile, pi rapide. Mon cash, moyen pi pratique pour voye ak recevoir l'argent.
Merci parce que vous êtes branché. Bienvenue dans la première émission Star des Stars 2016. Une émission que nous faisons pour célébrer 10 ans de Star des Stars, côté que nous menons quelques artistes que vous-même vous remis dans 9 éditions qui sont passées. Dans la première partie, nous avons Ismaël avec Vanessa Désiré. On a rencontré un autre artiste qui était sorti lui-même 4e en 2009. Et depuis là, ça, monsieur tourne un gros coquin de artiste dans le monde évangélique. Là. Et d'ailleurs, monsieur a un hit extraordinaire que peut-être toujours chanté, qui est le bon Dieu, moi, besoin. On a regardé comment Frederson Joseph réalisé bel parcours ça après 10 stars et comment le parler pour participer dans Star des Stars année ça. Moi salue tout le monde qui a regardé show à Konya. Non pas c'est Frederson Joseph. Je suis capable de rappeler que en 2009, moi j'étais 4e dans le concours 10 stars. Concours 10 stars te permet à ce que toute Haïti te focus sur Frederson Joseph et te permet à ce que le talent te confirmé. Malgré nous pas arrivé à gagner concours là, mais nous croyons que bon Dieu il passé ensemble avec nous dans plusieurs étapes, nous gagnons plusieurs musiques qui en rotation, tout comme bon Dieu besoin Kounia, papa bon Dieu mes petits touyo, papi ou makem, nous gagnons vidéo qui a pour les sous toutes médias et puis réseaux sociaux et qui vraiment bon Dieu a passé avec une dimension qui vraiment haut pour bénir nous. Et peuple bon Dieu a, et même si là yo qui pour qu'on bon Dieu qui donc depuis 2009 jusqu'à 2016 nous pratiquement fait deux bagages. Nous travaillons dans le ministère parce que nous c'est pasteur et nous travaillons tout dans musique, dans production, produit monde, cap chanter, etc. Il y a pile bonne raison pour moi ta star des stars, mais une raison qui fait moi ta remet star des stars c'est pour me capable non seulement à cause de cyclone qui s'est passé à moi gain pile monde dans zone Bolakamwen qui vraiment sinistré et malheureusement et l'état pas arrivé sur yo but moi-même que pastoralement et tout ça et toutefois moi t'est arrivé remporter concours ça l'état permettre à ce que moi arrivé sur monde ça yo ba yo aide que vraiment besoin ou gain comme devoir pour voter à chaque fois et faire l'autre monde voter pour me capable remporter le concours ça parce que c'est très très important et c'est votre qui pouvoyer monter dans la prochaine étape là. Et Mathis que nous présente aujourd'hui, c'est Malia Telusma qui lui-même t'est sorti une audition Carrefour, qui t'est fait un bel parcours dans 10 stars et qui lui-même continue avec carrière lui après compétition. Un petit nouvelle lui et qui ça va le régler année ça dans Star des Stars. Bonsoir tout le monde, moi c'est Telusma Malia, moi j'ai 18 ans. Et de 2014 à 2016, après concours 10 stars, moi j'étais concentrer plus sur l'école moi parce que à l'époque moi j'ai fait seconde qu'on y a moi dans philo en 2015 moi j'étais sorti en musique en décembre qui était Noël pays moi de côté dans musique ça moi j'étais parlé dans Noël la caillou qui ça qui fête moi j'étais sorti lié avec toute vidéo et moi là toujours m'a travaille après 16 stars là on fait un pile progrès nous capable voir ça Malia qui était gagné dans 16 stars c'est pas même Malia qui l'a toujours Malia écrit Malia pensé Malia travaille en pile elle pensé avec toute fanatique qui t'a backup yo Malia gagné 3 musiques dans studio gagné une évangélique et 2 sociales moi senti me contente c'était une bonne nouvelle pour moi parce que moi à mon âge j'ai fait en pile j'ai travaillé en pile et j'étais contente pour me troisième gagnant de 16 stars et venir joindre que j'étais relève pour Star des Stars ça t'a fait en pile plaisir et mami était contente tout et moi motivé fan moi motivé tout le monde moi dit que Malia reparticiper et Malia à travers Star des Stars Malia après prendre scène encore Malia bral faire ouais qui est c'est vraiment c'est pas même Malia 16 stars 2014 c'est une autre Malia qui bral montrer public qui ça cabaille Malia qui bral faire et pas sous jury Malia prête et ça te fait me contente en pile moi remercier tout le monde qui t'a backup moi toute fan Facebook toute fan sur les réseaux sociaux. Moi, remercie nous tous qui étaient avec moi. Je vais nous garantir. Votez, m'a chanté pour nous. Donc, merci beaucoup. En pile excitation, Star des Stars a des sables garantis, l'app extraordinaire. Et une autre artiste que nous allons présenter, qu'on y a, son artiste qui était créé en pile sensation. Un fond, petit à parler avec lui pour nous connaître qui ça le régler, parce qu'il était sorti vidéo clip, il était continué à faire tourner sur tout le pays, et qui ça l'a obtenu de Star des Stars, année ça.
Moi c'est Printemps Erickson, officiellement chanteur et comédien. Mais j'ai fait apparition, m'ka di globalement, m'ka di côté pile moun te découvri Printemps. C'était dans Giselle Stars en 2011. Côté m'te yon nan finaliste concours là, m'kwè gen pile moun ki ap gade show lan la, ki te konnen et ça arrivé gen moun tout ki pa konn Printemps, gen moun ki te ka bliye Printemps Erickson. Bon Printemps Erickson nou li toujou là, nou toujou avanse. Côté professionnel, moi gen yon connaissance en communication, côté ki ça li aide m'en pile moun combiner li ensemble avec mode artistique là, spécialement après ça moi intégré moi tout dans domaine humanitaire côté ki moi aidé. En pile, moi aidé en pile ti moun à travers une association que nous gagnons qui relie One Toy, One Smile, tout ça. Giselle Stars c'était un panel qui te permet de découvrir à travers tout le monde nécessaire, spécialement dans le pays, à l'extérieur, tout ça. Et te vin bon une certaine capacité pour me découvrir ça me la ramène de plus et ça me gagne comme faiblesse en tant qu'artiste pour moi gérer ça a été apprendre en pile bagage et me te utiliser plateforme ça qui c'est Giselle Stars pour apprendre le plus et puis pour me continuer dans la carrière musicale mon côté n'a regardé Printemps actuellement là je veux dire tout fanatique Printemps tout amis Printemps toute famille Printemps tout Haïti tout monde n'importe côté on va regarder interview ça là ben qui tout est comme Printemps qui tout pas connaît m'a demandé à partir du moment ça là ou qu'à suivre Printemps Erickson sur toute plateforme spécialement Giselle Stars des Stars côté qui m'a fait toute effort même j'aime te qu'on fait en 2011 pour plus satisfait et ne pas oublier slogan qui j'ai voix internationale. Giselle Stars finalement réalisé c'est pas parce qu'au champion qui voulait dire que carrière tracée ou qu'à peut-être parmi 10 derniers finalistes, yo, ou gen une meilleure carrière que peut-être moun ki rive deuxième ou bien troisième. Yo. Et c'est le cas justement de un pile artiste qui participe dans la compétition. Et raison qui fait que nous avons célébré 10 ans pendant que nous avons tourné avec tout artiste, c'est une façon pour nous célébrer justement la victoire ça, que l'artiste yo fait pendant que vous-même vous avez fait confiance pour te voter, le juge vous a accompagné et la société en général te reconnaît talent yo, et bien une chance pour vous capable de faire une carrière dans l'industrie musicale là, ici en Haïti. Artiste que nous pral gade la Swea qui c'est un artiste qui était sorti deuxième année passée nèg la plaine là monsieur chargé talent c'est Norton Previlon qui était fait chita parler avec nous pour parler nous tous de ça la tande et ça pral baye dans Star des Stars année ça. Yon gros salutation à chaque grand monde qui branché et à Swea là donc nous connais déjà c'est Norton Previlon ti nèg la plaine pas nous. Et pour bien dire nous et dans concours le Norton était dans concours. Donc moi j'étais toujours l'école, les amis étaient en réto et pour moi c'est l'école qui primait, ce qu'on y a m'a fait philo mais ça pas empêché de faire musique. Moi-même tout ça me plaît, c'est chanter. Chanter donc tout ça qui pas capable de marcher. Donc non au pays, non en société ou ben non entourage, c'est chanter contre lui et chanter pour me faire tout le monde plaisir et chanter tout moi-même pour me river dans vie pas parce que c'est ça que bon Dieu ben moi comme talent. C'est chanter donc moi je voulais chanter et exploiter talent moins parce que je voulais arriver loin tout chanter Haïti et à l'étranger donc on pouvait avec support fanatique moi ça arrive sans faire normal pour me retourner dans concours parce que donc et si DJ est capable de convoquer moi pour me retourner et c'est parce que donc moi t'ai mérité là donc son concours côté que c'est tout story qui a réuni et premier deuxième troisième donc nous allons défoncer nous davantage, même plus bien défoncer que j'en ai qu'on défonçait avant pour nous essayer d'apprendre là. Donc nous vraiment épatés. Tout le monde en Haïti, sans oublier 11e département qui c'est diaspora. Donc nous mettons toujours compter sur Atispano, Norton Brivillon, Tineg la pleine. Surtout le monde en pleine, nous connaissons même un peu les noirs avec que moi-même qui c'est chouchou nous. Donc continuez, supportez moi, continuez, votez moi. On va briguer ça. M'pas attendre pour que l'émission live yo commence parce que me senti que sensation avec toute excitation ça gain là l'a fait que nous gagnons un gros cocaine chain show année ça. Nous gagnons pile d'autres artistes pour nous présenter encore des artistes qui pourraient participer dans Star des Stars mais ça c'est après pause. Reste branché, n'a pas tourné. Allô mami. Allô Titine. Vous êtes dans la marché hein? Oui, je suis presque fini, oui. Je suis fini tout à l'heure comme ça. Pourquoi tu ne peux pas faire un petit live pour moi, un petit citron? Mami, je ne sais pas comment bien assez comme non. Faut me tourner la caille là pour me faire un petit cob après ça m'a tourné bien acheter le boulot, mami. Non, non, non,
non, pas inquiète, chérie. Rete campé côté Oya, m'gal voyer kounya sur téléphone pou. Oya ak mon cash ou ka voyer et puis recevoir l'argent sans qu'elle saute. Ou ap anit fè yon compte mon cash sur téléphone Digicel ou et puis même côté a téléphone nan vin boussou. Et puis si vous voulez tout, ou ka passer kayon agent autorisé mon cash pour retirer l'argent sous compte ou ak yon carte d'identité. Bay numéro téléphone ou ak quantité l'argent ou voulez aller sous compte mon cash ou. Anik fait étoile 202 dièse au soir il dans 202 sous Digicel pour qu'avoir l'argent bay moun ou vle les ou vle n'importe côté pi facile pi rapide mon cash moyen pi pratique pour voyer ak recevoir l'argent. Le fait que n'a tourné avec en pile d'artistes qui t'ont participé, yo grand pile question qui a passé dans tête moi là, c'est qui année qui t'ai gagné plus gros et plus belle Digicel Stars. Ou même qui a regardé, posez-toi toute question qu'on y a, qui année qui t'es plus belle, qui année que qui t'es plus excitation sur scène, qui année juge t'es plus intéressant, qui année peut-être moi même moi t'ai présenté plus bien. Ça c'est des questions peut-être que nous pourrons revivre sous scène et n'a pas une réponse. Nous après le tourné qu'on y a en 2009 côté que un jeune garçon qui est Geraldo, monsieur t'est éclaté scène Digicel Stars pour te sortir deuxième dans compétition. Nous t'ai chita parler avec lui, il décide de retourner dans Star des Stars là pour lui-même lui montrer nous que il toujours gain talent, que il son artiste confirmé et il évolue depuis dernière fois que il t'ai participé dans Digicel Stars. On regarde Geraldo. Bonsoir tout le monde et bonsoir mes parisiens. Et encore une fois et 7 ans de cela nous t'ai connu Geraldo sous scène Digicel Stars. Mais justement, opportunité à venir présenter à nous-mêmes encore une fois dans Star des Stars pour nous refaire connaissance avec artistes noirs. En un premier temps, c'était finaliser études universitaires là, et puis producteur d'événements, parmi lesquels aucune chaîne d'activité que nous connaissons qui c'est Free Time Night, employé cadre de nos grandes entreprises de la place. Justement, donc, pas pour la langue, donc c'est nous là et pour nous continuer l'aventure là ensemble. Moi, dans Iris Studio là, avec Maestro Nicky Chris, avec tout staff production, moi, donc nous travaillons. Semaine ça nous fait nous stocker depuis quelques temps, stocker musique et production très riche. Et parmi lesquels une musique que nous avons découvert bientôt, c'est Rev Bam. Rev Bam, c'est quasiment une musique qui parle de reconstruction Port-au-Prince. Il y a un bail que le staff là vraiment misé sur lui. Nous misons sur ce qui a trait à diversification et variété de style. Parce que vous ne parlez comme si. Je travaille plus ou moins un artiste qui. Il y a un travail polyvalent dans la carrière Geraldo. Donc, que ce soit en termes de production musicale, il n'y a pas de problème de chanter dans le reggae, et c'est ça l'album qui traduit tout. Il y a des musiques reggae, R&B. Cependant, il y a toujours une identité là-dedans. De 2009 à 2016, ça fait pratiquement 7 ans que nous avons découvert un Geraldo. Mais justement, et c'est un grand pile travail qui fait, parcours là vraiment long et nous avons dit que et nous mettons à temps avec un Geraldo qui est beaucoup plus mature, un Geraldo et peaufiné avec et, qui renforce le staff li, avec des, encore des musiciens très professionnels pour justement capable un artiste qui a représenté nous même sur le plan international. Pendant que se pose des questions tout à l'heure, a gagné des monde qui réfléchit pour dire 2010 semblait c'était une plus belle année, même pas quoi. Mais nous pourrons certainement revivre des images, nous pourrons prendre des témoignages qui pourront peut-être faire réaliser que toute compétition Digicel Stars, une était plus belle que l'autre et peut-être on a embarras de choix pour décider qui ça qui était plus bon. Même son genre 2010, talent yo, t'es sous ça. Logan justement on Woody Woodboy qui est en compétition avec Vanessa directement c'est un coup dans compétition à eux deux à été blier tout reste monde et puis ensuite vous devez gagner Minou Choulout qui était rentré dans bataille là pour lui même tout lui était montré que lui c'est un coquin talent. Minou Choulout qui depuis fait un pile et activité il participe dans plusieurs gros événements il mettait voile sur une musique dernièrement avec Patrick Andal de scandale grand pile gros projet que le travail sur yo et il décide de participer dans Star des Stars année ça. On regarde Minou Choulout et qui ça va le parer pour le banou dans compétition année ça. Bonsoir tout le monde. Non pas monsieur Choulout Minouche. Si nous rappelons un petit petit qui était dans Digicel Stars en 2010 qui était chanté Listen. C'est vrai que me grandi Kounia de 2010 à Kounia moi continue chanter, moi chanter dans restaurant, moi jouer des soirées privées. Kounia moi fait partie d'un groupe qui est les artistes qui c'est un groupe ben sans ben femme. C'est vrai que moi gagne un projet personnel que
beaucoup cap partager avec le public là tout autant pas sûr mais pour qu'on a même travaillé ensemble avec artiste sur un démo qui est trois musiques. C'était une bonne expérience, c'est pas une bonne expérience parce que enfin objectif maintenant concours c'était champion. C'était gagner concours mais ça pas arrivé. Donc on est à cause de vote moi. M'te manqué vote et puis pas de champion. Mais parti qui bon côté qui était dans concours là c'était parce que l'aime saute dans concours là au moins avant tout le monde pas connaît mais qu'on a sous parler des Choulou Ménouche mon après qui est-ce qui Choulou Ménouche. Je me sentais vraiment content parce que pas attendre ça du tout après pas espérer rien qui gagne rapport avec concours encore dans la vie. Ça a été vraiment honoré de ce que vous mettez dans stade stade est-ce que vous invitez et me répond oui que m'a là. Si nous aime mériter si nous aime qu'on chanter si nous aime son star Jean nous dit pouvez me ça connait nous toujours grand paquet monde qui toujours dit si on te connait avant t'a voté pour si on te connait avant t'a font façon à ce que tu es champion pour quoi mais connait au moins j'ai chance là encore connait prouver me qu'aime son star voter pour moi aider me pousser me jusqu'à ce qu'il arrive. Gen pile artiste qui t'a participé dans compétition première fois il va te connait qui type de concours que tu es qui ça t'a pas gagné en de compétition mais où tu es venu tenter chance. C'est le cas justement de artiste ça que nous va découvrir qui c'est Stéphanie Pierre. Nous t'ai découvert Stéphanie Pierre dans Saint-Marc et il était vraiment fait bonne impression dans compétition. Konian il était pour une pause, il est retourné avec carrière li et il décidé participer dans Star des Stars année ça. On découvrir bien dit découvrir puisque ça fait longtemps de Bawel Stéphanie Pierre. First of all, m'ap salye tout moun k'ap gade show sa kounya. Non pa m'se Stéphanie Pierre, mwen te participe nan concours Digital Stars le sa m'te mineur, m'te gen 17 ans, je crois. C'était année 2008. M'son chanteuse professionnelle ici nan Saint-Marc et m'te gen defan pile son nan mouman. M'te toujou kon ap chante avec Frem apre concours an. Pou mwen menm, se yon bagay m'ta patan. Et moi Digicel pot ko prend initiative là bon bien content yo prend et c'est toujours un plaisir pour moi pour reprendre et pour moi prendre place moi parmi artistes qui t'ai participé dans Digicel Stars donc pour mal refaire ouais talent non seulement et pas étant que yon artiste cap et comme si cap à peine paraître mais un artiste qui était là déjà and then qui voulait faire ouais capacité et puis qui voulait faire ouais travail. Pour semaine ça moi gagné un single que m'a fait promotion pour lui sur toutes réseaux sociaux ni sur Facebook, Instagram, Twitter et puis moi gagné attente pour moi passer dans show Carrel là pour mal faire lancement musique ça qui c'est une musique moi fait pour Haïti. Ak fanatique Stéphanie Pierre yo. Nous songe visage ça, il était participé déjà dans Digital Stars pour 2008, il t'a représenté Ville Saint-Marc. C'est moment avec monde qui pas supporter mieux pour nous supporter et c'est moment avec fanatiquement yo monde qui te supporter mieux pour yo remobiliser dans yo même pour yo continuer pousser artiste là parce que Stéphanie Pierre li retourner dans concours ça no matter what nous va connaître n'a try. Voilà, nous arrivons dans la fin de l'émission d'introduction. Nous avons un pile d'autres artistes que nous n'avons pas présenté dans l'émission. Mais qui est-ce que sous scène dans la première émission live qui a fait la semaine prochaine? Moi-même, Karel, toute équipe là, c'est même équipe là, nous super excités. Mais vraiment, parce que son projet neuf, c'est temps qu'on a commencé à nouveau. Star des Stars, Anessa, sous même chaîne télévision qu'on a habitué à regarder. Et c'est pour le même vibe là avec, bien sûr, tout artiste qu'on connaît déjà. C'est un plaisir pour nous être avec vous. Rendez-vous semaine prochaine pour la première émission live Star des Stars pour nous découvrir tout artiste qui pourra participer dans la compétition et puis vous-même, vous pourrez commencer capable de voter pour vous.